nous voulons joindre notre voix à celle des élus, à celle des anges, à celle des vieillards, à celle de la création, Seigneur, ce soir pour te louer, pour t'adorer, Adonai. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Est-ce que tu le crois ce soir? Devant l'agneau, devant l'agneau immolé et son sang. Est-ce que tu crois que les ténèbres? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que les ténèbres ont les ténèbres, je te dis que les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau. Tous nos cœurs, les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, son sang versé. Sa majesté, l'univers crie sa majesté. Oh, chante ton gloire, ton gloire, chante ton gloire. Oh oui, force et louange. Sa majesté, chante ton gloire, chante ton gloire et puissance, chante ton gloire et puissance, gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau. La vie qu'il a donnée, à la vie qui coule en moi, à la vie qui coule en moi, à la vie tant d'amour et à jamais, tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi, naissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. Oh Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, tu es au-dessus de tout. L'univers crie ta majesté, Jésus. Seigneur, tu es au-dessus de tout, Jésus. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange à l'agneau. À l'agneau.
merci pour ce moment. Seigneur, nous voulons t'ouvrir nos cœurs, Jésus. Seigneur, tu vois comment nous sommes faibles, Père. Seigneur, nous sommes des vases de terre. Nous sommes tellement pétris de faiblesse. Nous ne savons pas adorer, Seigneur Jésus. Nous ne savons pas, mais nous savons que c'est toi qui nous as transportés. Et nous voulons t'adorer ce soir. C'est avec Jésus que j'ai été mené de la mort à la vie. Moi, je veux vivre pour mon serveur. Désormais en issue. Mon objectif va déterminer ma conduite ici-bas. Car ma vision, c'est le royaume. Le royaume de Jésus. C'est avec Jésus que j'ai été emmené de la mort à la vie. Moi, je veux vivre pour mon Seigneur, désormais en ici. Mon objectif devra déterminer ma conduite ici-bas. Car ma vision, c'est le royaume de Jésus. Ma vision, c'est le royaume. Royaume de Jésus. C'est avec Jésus que j'ai été délivré de ce monde de péché. Et il m'a lavé, il m'a purifié. Oh, ma vision, c'est le royaume de Jésus. Car ma vision, c'est le royaume. Jamais te laisser, jamais, jamais te laisser. Oh, jamais. Disons-le ensemble, jamais te laisser. Jamais, jamais te laisser. Est-ce qu'on peut le dire ensemble de tous nos cœurs? Jamais te délaisser, jamais. Jamais te laisser. Jamais t'abandonner, jamais. Jamais te laisser. Jamais te délaisser, jamais. Tu m'as valorisé, Jésus-Christ. Tu m'as valorisé, Jésus-Christ. Je veux persévérer avec toi. Je ne pourrai pas te laisser. Tu as donné un sens à ma vie. Oh, tu as donné un sens à ma vie. Je veux persévérer avec toi. Je ne pourrai pas te laisser. Oh Yahweh, 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 je ne pourrai pas te laisser. Oh Yahweh, je ne pourrai pas te laisser. Je ne pourrai pas te laisser. Je ne pourrai pas te laisser. Je veux persévérer avec toi. Je ne changer ma vie, Jésus-Christ. Je veux persévérer avec toi. Je ne pourrai pas te laisser. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Je ne pourrai pas te laisser. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Je ne pourrai pas te laisser. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Je ne
Qui croit que Jésus est Dieu, du moins qui sait que Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu et nous voulons le chanter ensemble. On va chanter un chant qui proclame la divinité du Seigneur. Amen. Je crois que beaucoup ici le connaissent, c'est pour la gloire de Jésus. Que serait le désir de mon cœur si ce n'est d'élever ton Saint-Nom par ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à toi. L'unique et le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable, c'est toi. Devant ton nom au ciel et sur la terre, Jésus, l'unique et le véritable, Jésus, tu es l'admirable. Devant ton nom au ciel et sur la terre, pour toi, que serait le désir de mon cœur si ce n'est d'élever ton Saint-Nom par ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à toi. L'unique et le véritable, oh l'admirable, devant ton nom au ciel et sur la terre, Jésus. L'unique et le véritable, Jésus, tu es l'admirable. Devant ton nom au ciel et sur la terre, pour toi, que ton nom Jésus en soit béni. Dans l'origine, vraiment depuis l'éternité. Yeshua Messia Yosalitambe. Oh, que toute la gloire revienne à Jésus. Jésus, Jésus. La vie et la vérité restent Jésus. Les acclamations reviennent à Jésus. Oh, Yeshua Messia Yosalitambe.
joie, à toi la louange, à toi la gloire. Nous proclamons ta divinité. Jésus Seigneur, Jésus, tu es véritable Dieu. C'est Jésus seul que nous élevons, le Dieu véritable, la parole manifestée, le Dieu révélé. Seigneur, reçois la gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est pas fini. On continue. Amen. Oh,
continue. Quand je suis dans la détresse, Jésus vient me consoler. Humilié, il me relève. Outragé, il me fortifie. Rejeté, Jésus m'accueille. Il est mon ami fidèle en qui j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai déçu. Jésus, tu es le roi. Jésus, Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Il me fortifie, rejeté Jésus m'accueille. Il est mon ami fidèle en qui j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai déçu. Jésus, tu es le roi. Aujourd'hui je suis transformé, vers toi Seigneur je l'aime mon âme. Jésus souviens-toi de moi, en toi j'espère tous les jours. Car tu es le Dieu de mon salut. Jésus tu es le roi, Jésus tu es le roi. Jésus tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus tu es le roi. Depuis la création, il m'avait déjà choisi. Et il a rempli ma bouche pour manger le célèbre. Depuis mon âge, je pleure. Car sur moi, Jésus a mis sa marque. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Il m'avait déjà choisi et il a rempli ma bouche pour que manger le célèbre de qui aura je peur. Car sur moi Jésus a mis sa marque. Jésus tu es le roi. Jésus, Jésus tu es le roi. Jésus tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Jésus tu es le roi. Cherchais depuis longtemps. Aujourd'hui, il vit à mes côtés. Il a mis la paix dans mon cœur. Lui est semblable à lui. Jésus, mon roi, sois magnifié. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Quand je suis dans la détresse, Jésus vient me consoler. Humilié, il me relève. Outragé, il me fortifie. Rejeté, Jésus m'accueille. Il est mon ami fidèle. En qui j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai déçu. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi. Je suis transformé vers le Seigneur, je mets mon âme. Jésus, souviens-toi de moi, en toi j'espère tous les jours. Car tu es le Dieu de mon salut. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Car sur moi Jésus a mis sa marque. Jésus tu es le roi. Jésus, Jésus tu es le roi. Jésus tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Jésus tu es le roi. Jésus tu es le roi. Jésus tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Alléluia.
Dieu. Gloire à Dieu. Qui est heureux d'être là ce soir? Pour Jésus. Rien que pour Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Si on vous a dit un jour que c'est fini, qu'il est resté dans le tombeau, on vous a menti. Il y en a qui sont restés dans les tombeaux. Michael Jackson est resté dans le tombeau. Beaucoup de rois, beaucoup de présidents, beaucoup de milliardaires sont restés dans le tombeau. Mais un seul, dis à ton voisin, un seul, après 3 jours, alors que les ténèbres pensaient qu'ils avaient réussi leur plan. Après que tous les satanistes, tous les sorciers se disaient être vainqueurs. Mais 3 jours plus tard, quelque chose s'est passé pour le monde entier. La promesse de l'humanité, le sauveur des nations, la star des stars, le ressuscité, l'alpha et l'oméga, le prince de la vie, et son nom c'est Jésus. Oh, toi qui as été invité ce soir, si tu es simplement venu pour regarder, constater, je t'informe qu'il y a quelqu'un qui est là pour sauver ta vie. Et il s'appelle Jésus de Nazareth. Il t'aime. Et il veut changer ta condition de vie. Il veut panser les blessures de ton cœur. Parce qu'il est le médecin par excellence. Et il nous a donné des mains pour le glorifier. Et aussi pour l'acclamer. C'est pourquoi je souhaiterais qu'on l'acclame tous. Tous. Il est au-dessus des rois, au-dessus des présidents, au-dessus de toute autorité humaine. Jésus de Nazareth. Et il mérite tout l'honneur et toute la gloire. Amen. Soyez encouragés, vous pouvez vous asseoir un instant. Vous savez, j'ai une autre bonne nouvelle. Ça fait des années qu'on n'a pas vu de tels rassemblements. Parce que le Seigneur est un Dieu de temps. Et je crois, et nous croyons, et je sais que tu crois également, qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette nation. La prise de conscience, la prise de décision pour la vérité qui est Jésus. Quelque chose se passe dans les lieux de travail, dans les écoles, dans les foyers. Jésus bouge. Vous pouvez faire ça avec moi. Jésus bouge. Et il va ramener tous ses enfants vers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose dans cette nation. Mardi, par la grâce de Dieu, il y a eu un appel à la repentance. Et plusieurs personnes ont couru. Qui a vu des personnes courir? Vous les avez vues? Et ils n'allaient pas vers un homme. Il courait pour aller vers Jésus.
Hier, plusieurs personnes ont encore couru pour venir à lui. Et nous les avons baptisés. Pas le baptême avec quelques petites gouttes, comme s'il n'y avait plus d'eau. Ils ont été plongés dans les eaux et ils sont revenus. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Des hommes et des femmes qui ont décidé de marcher avec Jésus et de ne plus faire marche arrière. Ils ont pris leur baptême. Amen. Vous les avez vus? Et en 2 jours, nous avons eu plus de 150 baptêmes. 150 personnes sont venues se faire baptiser pour décider de marcher avec Jésus. Oh, Dieu est bon. Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a le mouvement de Dieu quelque part, juste à côté, il y a un mouvement de l'ennemi. C'est pourquoi il faut prier pour vos voisins qui sont à côté de vous. Il faut prier pour vos cœurs. Il faut prier pour la nation. Il nous est revenu. Et je crois que c'est par manque de connaissance que les baptêmes se font la nuit, que c'est un sortilège, que c'est de la sorcellerie. Nous ne croyons qu'en un seul et unique Dieu. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné sa parole. Amen. Beaucoup ont dit pourquoi ils font les baptêmes la nuit. Mais qui a dit qu'on ne peut pas faire les baptêmes la nuit? Amen. Mais je ne veux pas vous dire ça. La parole que nous lisons va nous répondre. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Actes des Apôtres? Vous avez vos Bibles? Vous aimez la parole? Les Actes des Apôtres. Ok. Juste un instant. On a une petite fille qui s'appelle Elisa. Sa maman s'appelle Elisa. Sa petite fille est ici. Vous pouvez vous rapprocher de nous. Vous êtes où? Venez, venez, venez. Votre enfant est en paix, c'est le Seigneur qui la garde. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez lentement, vous allez la retrouver. Alors nous disions aux Actes des Apôtres. Amen. Ça va, tout le monde va bien? Au chapitre 16. Quelqu'un a un micro par ici pour lire? Ou alors je vais lire. Actes des Apôtres à partir du le chapitre 16, à partir du verset 25. Amen. Tout le monde suit? On va lire ensemble, doucement, pour une bonne compréhension de la parole de Dieu. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous furent rompus. Le geôlier se réveilla, et voyant les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Le verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment dans le cachot et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Dis à ton voisin, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le verset 32 nous dit:
Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et à tous ceux qui étaient dans la maison. Le verset 33. Après cela, les prenant en cette même heure de la nuit. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? On va reprendre pour ceux qui n'ont pas bien lu à partir du verset 23. Parce que le Seigneur est dans sa parole. Amen. Après cela, on va lire ensemble. Amen. 1, 2 et 3. Après cela, les prenant en cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt après il fut baptisé et tous ceux de la maison. Amen. C'était quand? C'était la journée ou la nuit? Oh! Donc on peut baptiser la nuit. Si tu as encore des doutes ce soir, ou si tu as des pensées confuses, voici ce que te répond la parole. Il y a plus de 2000 ans, il y a des personnes déterminées, comme ce geôlier et toute sa famille, tellement touchées dans leur cœur de voir des hommes et des femmes enfermés. Au lieu de se plaindre, ils priaient et ils chantaient. Et les liens se sont brisés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne se sont pas enfuis. Ils ont continué à faire l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire parler de sa parole. Et le geôlier et toute sa famille, tellement touchés, ils ont demandé, comment faut-il faire pour être sauvé? Est-ce un ganga qui peut sauver? Est-ce un pasteur? Est-ce un quelconque prophète? Est-ce un prêtre? Est-ce que c'est le djembé? Est-ce que c'est le bouti? Est-ce que c'est le koukoué? Même pas l'alcool, même pas l'argent. Ils lui ont répondu, ces apôtres, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Notre Dieu est le Dieu de la famille. Et ce jour, le geôlier, ému dans son cœur, reconnaissant l'autorité et la seigneurie du Père, a rassemblé toute sa famille. Il a dit, venez, venez, c'est l'heure d'être sauvé. Et la parole est tellement belle, nous précise que c'était la nuit. Et tous sont passés par les eaux du baptême. N'est-ce pas merveilleux? Sois-en sûr et rassuré. Ce soir, quand tu prendras ton baptême, le Seigneur sera là. Il sera là et il te voit. Et il t'attend. Amen. Amen. La parole est vraie. La parole est certaine. Et nous voulons fermer toutes les bouches des contradicteurs. Parce que notre Dieu est le Dieu de la vie. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui purifie les cœurs. Et qui appelle à la repentance tous ceux qui ont besoin du salut. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur notre Dieu, comme tu l'as fait avec cette famille, comme tu l'as fait avec ce geôlier et toute sa famille, alors qu'il était en train de garder tes serviteurs, alors qu'il murmurait contre ton serviteur, contre tes serviteurs, tu as fait quelque chose de particulier. Malgré leur incrédulité, tu les as aimés. Malgré le taux de péché élevé dans de leur vie, tu les as aimés. Seigneur notre Dieu, Père éternel, voici ces hommes et ces femmes qui se sont déplacés. Certains en voiture, certains en taxi, certains à pied, certains avaient des rendez-vous pour aller faire autre chose. Ils ont décidé de s'arrêter un instant pour écouter ta parole. Père! Ta parole qui est puissante et qui ne change point. Nous te louons pour cela. Car plusieurs repentances, plusieurs baptêmes seront encore constatés ce soir à la gloire de ton nom.
Seigneur notre Dieu, voici le Gabon. Voici les autorités de ce pays. Nous te prions pour elles. Donne-leur la sagesse, l'amour, car c'est toi qui les as établis. Père, toutes les autorités qui se sont déplacées ce soir, tu les connais. Toutes les personnes qui sont arrivées ce soir, tu les connais, Père, car tu es le Créateur. Reçois l'honneur, mon Père, la puissance, la louange au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Son nom, c'est Jésus. Vous êtes dans la joie. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer, s'il vous plaît? Alléluia, il mérite la gloire. C'est beau le chant là. Tu as composé, c'est de la ressource. Ouais. Waouh. C'est pas mal hein, ce chant. Tu veux que le Seigneur soit béni? Waouh. Dieu est grand. Est-ce qu'on peut chanter Alléluia? Alléluia. Waouh. Est-ce qu'on peut lui faire un gros bisou? Oh. Alléluia. Tu es holy. Tu es santo. Tu es santo.
You are holy.
Son onction est là ce soir. Parle-lui. Père. Père. Il est là. Il est présent. C'est parmi nous ce soir. Allons tous ensemble devant le trône. Devant le trône de gloire. Oui. Oui. Voici le roi des nations. Porte et levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Dieu, une onction nouvelle sur vous, ça va faire briser les chaînes quand vous allez de plus en plus chanter. Une gloire, Dieu dit, une gloire arrive sur vous. Une gloire nouvelle, la puissance de la résurrection. Des guérisons, des miracles vont s'opérer partout.
Alléluia.
merci. Faisons-lui encore un bisou. Un bisou encore, un bisou encore. Waouh. Vous êtes fatigué déjà? Qui est amoureux? Nous sommes là pour le louer, hein? N'est-ce pas? La vie a été créée par toi et pour toi, Jésus. On y va. Si par toi et pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sang. Jésus, 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 Jésus. Oh ma vie a été créée pour toi et pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas. Célébrer tout son nom, tous les carités. Le roi d'or.
roi de rois. Quel est son nom? Oh, quel est son nom? Oh, quel est son nom? Le Dieu d'Abraham. Quel est son nom? Le Dieu du Gabon. Quel est son nom? Le Dieu de Libreville. Quel est son nom? Celui qui t'a rassasié. Quel est son nom? Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Oh, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Alléluia! Oh Dieu! Mobali Nanga, Kombona Ye, Yesu! Oh je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime! Yesu! Quel est son nom? Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, oh. Son nom, Jésus, 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 oh, oh, oh. Hey! Seigneur, reçois la gloire. Oh, mon chéri d'amour, quel est son nom? Jésus, 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 oh, oh, oh. Sinanga Yesu, oh oh oh, mobali nanga Yesu, mon chéri d'ambou, quel est son nom? Jésus, 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 oh oh oh, le 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 le, oh oui, quel est son nom? Jésus, 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 oh oh. Manyo wa, Manyo wa, Manyo wa, Manyo wa, Yesu.
que dame. Manioroa, 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 Jesus. Vous voyez, on adore Dieu, les démons se manifestent. Sors au nom de Jésus. Laisse. Sirène. 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 Laissez-la maintenant. Laissez-la maintenant. La puissance de Dieu est là. Sirène des eaux. Cet enfant est appelé par Dieu. À genoux maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. C'est un ordre. C'est un ordre. Jesus. Alléluia. Combo nayo elonga nanga. Il se passe des choses ce soir. Combo nayo elonga nanga. Ce soir, jusqu'à samedi, Dieu me dit qu'il va vous surprendre. Les démons ont peur. Les mamies Ouattara ont peur. Il y en a trois qui se sont manifestés là. Ce n'est que le début. Oh Dieu, dans la chambre où je suis logé, tout à l'heure dans la prière, Dieu me disait, partage-leur 1 Jean 3:8. Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est venu afin de détruire. Le mot grec, le verbe détruire ici dans le grec, signifie aussi priver de force. Jésus est venu afin de détruire, de renverser les œuvres de Satan dans ta vie. Les œuvres de Satan dans ta famille. Les œuvres de Satan dans ta ville. Oh, c'est magnifique. Ce soir, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est un ordre qui vient du ciel. Regardez-moi cette sirène-là. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Regardez ce qui se passe. Ce soir, Dieu veut vous démontrer sa puissance. Celle-là, elle ne peut plus rien faire ici. Elle est coincée. Bon. Qui réalise que Dieu est tout puissant? Écoutez, ce soir, le ciel est ouvert.
Je viens de voir notre Père sur son trône. Et il regarde le stade de la gendarmerie comme ça. Il dit qu'il est venu pour détruire. Il n'est pas venu pour caresser. Il n'est pas venu pour négocier. Il n'a pas négocié ta délivrance. Il n'a pas négocié ta libération. Il est venu. Quand il est né, à sa naissance, Jérusalem a tremblé. Il n'était qu'un bébé. Que toute la ville de Jérusalem a tremblé. Oh! À 30 ans, il est allé dans un désert, dans le camp de l'ennemi, confronter le diable. Il est venu. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi, jeune fille. Il est venu pour toi, jeune homme. Jésus de Nazareth, le roi des nations, le Tout-Puissant, il s'est fait homme. Il est devenu comme toi, comme moi, homme. Mais accompagné par la puissance du Saint-Esprit, accompagné par la puissance des miracles. Voyez les sirènes ici, les démons. Ce soir, c'est la démonstration de la puissance de la résurrection. Ce soir, Dieu veut démontrer à l'église du Gabon qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu du réveil est descendu. Le Dieu de la restauration est descendu. Le Dieu de la guérison divine est descendu. Oh! Oh! Dieu me montre les anges guerriers qui encerclent la ville. Ils ont des armes terribles. Et je vois les démons qui sont agités. Je vois des cérémonies démoniaques qui sont brisées. Je vois des réunions de sorciers qui sont brisées. Des boules de feu tombent du ciel. Jesus Christ. Oh! Oh! Jesus Christ. Jesus Christ. Tu vois, non, tu ne peux même pas t'asseoir tellement qu'il y a le feu. Il se passe des choses ici. Le royaume de la sirène des eaux sous l'océan. Le royaume est secoué. Le royaume est bouleversé. Le royaume est secoué et bouleversé. Oh! Il est venu libérer les captifs. Il a dit, l'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi. Car il m'a oint pour libérer les captifs. Je voudrais prophétiser de la part du Seigneur. Fils de l'homme prophétise. Je déclare à partir d'aujourd'hui, au nom de Yeshua HaMashiach, au nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je prophétise, je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, les chaînes qui t'emprisonnaient sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. C'est pas fini. Les démons sortent. Vous voyez vous-même, vous voyez, non? Ce soir, c'est particulier. Demain, je ne sais pas ce qu'il va faire. Après-demain, je ne sais pas ce qu'il va faire. Le dimanche matin, quand on va clôturer, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais je sens dans mon esprit que le réveil est en train d'arriver comme des vagues. Plus dangereuses que le tsunami. Tous ceux qui sont destinés au ciel, qui étaient retenus, Dieu commence par les libérer.
Dieu m'a dit, va et libère mon peuple. Je voudrais parler au peuple de Dieu ce soir. Je voudrais parler aux prophètes qui sont là. Je voudrais parler aux apôtres qui sont ici. Je voudrais parler aux prédicateurs qui sont ici. Je voudrais parler aux envoyés du ciel qui sont ici. Je voudrais vous dire, la trompette retentit. Je voudrais vous dire que le temps de la libération de vos vies est arrivé. Le temps de la restauration est arrivé. Le temps du réveil est arrivé. Je proclame, je déclare, je prophétise. Ce n'est pas un homme qui m'a envoyé ici. Dieu m'a dit, va là-bas. Je ne suis pas venu au nom d'une religion ou d'une organisation ecclésiastique. Le ciel m'a dit, va là-bas. Je voudrais dire aux sorciers, c'est le temps de se repentir maintenant. C'est le temps de se convertir maintenant. Je voudrais dire aux satanistes, c'est l'heure. C'est l'heure, l'appel est lancé. Jésus est venu. Il n'est pas venu faire de toi un milliardaire. Mais il est venu faire de toi un homme et une femme libre. Oh, alléluia. Il est venu détruire les œuvres de mari et femme de nuit. Il est venu détruire la puissance du sida. Il est venu détruire la puissance du cancer. Il est venu détruire la puissance de la sorcellerie. Je voudrais dire à un enfant de Dieu ici, par toi, Dieu va passer pour libérer toute ta famille. Oh, Jesus. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose de puissant ici. Ça sort, vous voyez, ça sort encore là-bas. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alain, c'est fort. Je ne tiens plus. Acclame-le encore. Oh, il est magnifique. Il est magnifique, Anthony, c'est terrible. Les œuvres du diable, c'est le péché d'abord. Le péché qui te ronge. La masturbation, la convoitise, l'adultère, le meurtre, les sacrifices humains, tout ce péché, la sorcellerie, les œuvres de la chair qui peuvent te conduire à l'enfer. Jésus est venu détruire la puissance du péché. Il est venu renverser les forteresses du péché. Tu ne peux plus être retenu par le péché sexuel. Dieu est venu te libérer de l'empire du péché. Il est le seul prophète qui n'a jamais péché. Il a dominé sur le péché. Il a été tenté comme toi et moi, mais il n'a pas cédé. Et il a dit, celui qui croit en Dieu ne pratique pas le péché. Il est venu te libérer de la pornographie. Il est venu te libérer du péché, n'est-ce pas? Du péché sexuel. Il est venu te rendre libre, 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 libre. Je veux te dire, c'est possible. Les œuvres du diable. Tu ne seras plus l'esclave du péché. Tu ne seras plus l'esclave de la masturbation. Tu ne seras plus l'esclave de la pornographie. Tu ne seras plus l'esclave. Il se passe des choses ici. Il est venu te libérer de l'œuvre de Satan. C'est quoi l'œuvre de Satan? Il est venu te libérer de la cupidité. Tu ne vas plus vendre ton corps pour l'argent. Tu ne vas plus vendre ton onction pour l'argent. Tu ne vas pas prêcher pour avoir l'argent. Il est venu libérer les prédicateurs. Oh, alléluia, 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 alléluia. Il se passe des choses ici. Acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est fort. C'est le mont Carmel. C'est le mont Carmel. C'est le mont Carmel. La sirène dit que cet enfant doit la servir.
Mais moi, Dieu me dit, Dieu me dit qu'il est venu libérer les captifs. C'est ça l'évangile. C'est la confrontation de la puissance des ténèbres. Là, elle ne peut pas me toucher parce qu'il y a une protection. Cet enfant sortira d'ici libéré, va beaucoup chanter pour le Seigneur, va beaucoup évangéliser. Jesus. Oh, l'œuvre de Satan, c'est quoi? Ce sont des actions de Satan dans ta vie. Il est venu te rendre libre afin que tu passes tes nuits dans la paix. Tu n'auras plus peur de dormir comme avant. Non, non, non! Elle doit me servir! Elle doit me servir! Non! Non! Elle servira Jésus au nom de... Au nom de... Au nom de... C'est une reine. C'est une reine, la reine des côtes. Dieu permet que vous voyez ces choses-là. Ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas du cinéma. Dans ma chambre, cet après-midi, Dieu me disait, 1 Jean 3:8, le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres, les actions de Satan. Les œuvres de Satan, c'est d'abord le péché. Les œuvres de Satan, la sorcellerie, les œuvres de Satan, l'esclavage, les œuvres de Satan, la peur, la haine, les œuvres de Satan, le tribalisme, le racisme, les œuvres de Satan, la pédophilie, les œuvres de Satan, le péché sexuel, les œuvres de Satan, les traditions d'hommes, les œuvres de Satan, les prisons, les maladies, sida, cancer, le Fils de Dieu est venu. Et comment il a fait? Et comment il a fait? Comment il a fait? Il est allé sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les principautés. Pour dépouiller quelqu'un, il faut qu'il soit en face de toi. Sur la croix, pendant 3 heures, la terre était plongée dans les ténèbres, nous dit la Bible. Pourquoi? C'était la convocation des ténèbres de Genèse 1. Au commencement, les ténèbres se mouvaient. Les ténèbres étaient à la surface des eaux, de l'abîme. Et Dieu dit, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Les ténèbres étaient dans l'abîme, au-dessus de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière apparaisse. C'est comme ce soir, Dieu dit que la lumière de l'évangile, que la lumière de la parole véritable vienne. Amenez-moi toutes ces personnes sirénisées là. Dis à ton voisin, c'est la fête ce soir. C'est la démonstration ce soir. L'enfer tremble. Les démons tremblent. Satan a peur. Parce que Libreville sera libre. C'est une ville libre. Une ville libérée. Je veux dire aux Gabonais et aux Gabonaises, votre pays, votre capitale porte un nom prophétique. Libre. Libre. Ville. Ville. Jesus. Jesus. Vous avez vu comment la peur est celle-là aussi? Vous avez vu? Il y a un mur là. Vous avez vu ça? À genoux. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Sirène les eaux, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Jesus. Alain, avant-hier, hier,
C'était une introduction. C'est ce que Dieu me dit. C'était pour préparer le chemin. Qui réalise que Dieu existe? Qui réalise que Jésus n'a pas changé? Ton Dieu ordonne que tu sois libre. Il est allé sur la croix. Il a convoqué sirène des eaux. Elle a dit présente. La mort, présente. L'enfer, présent. Satan, présent. Tous ces démons devant la croix, à genoux. Chaque démon avait son arme. Le démon de mort et de l'enfer avait aussi les clés de la mort et de l'enfer. Tout le monde était devant. Et chacun déposait les armes. Dépouillé. Les armes qu'ils ont utilisées pour te détruire. Dépouillé. 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 Jésus ne s'est pas arrêté là. Notre grand frère ne s'est pas arrêté là. Il est descendu sous terre, dans les régions les plus basses de la terre. Tous les saints qui l'attendaient, Abraham, Isaac, ont commencé à l'acclamer. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Même ceux qui habitaient dans l'ombre et la région de la mort, la lumière a jailli. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Dieu dit que la lumière vienne. Ce soir, je veux dire à quelqu'un ici qui n'en peut plus, qui a fait plusieurs assemblées, qui a reçu plusieurs impositions des mains, qui a payé dîmes, offrandes sans voir la guérison. Je veux dire à quelqu'un ce soir, gratuitement, tu vas expérimenter la puissance de la résurrection. Alléluia! 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 Il est allé sous la terre. La terre a souffert. A souffert pendant 3 jours. Le 3e jour, une fois qu'il a libéré tous les captifs, il a pris les clés. Il est sorti. 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 Il est sorti du tombeau. 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 Et il a dit quoi? Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Je n'entends pas bien. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ta guérison accompli. Ta délivrance accompli. Ton salut accompli. Le ciel. La nouvelle Jérusalem accompli. La délivrance accompli. La restauration accompli. Ah! Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et de la parole de leur témoignage. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, rien, rien. Rien, rien, rien ne pourra venir.
Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Toute arme forgée contre l'église sera sans effet. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici. Même sur les chantres, là, il y a quelque chose ici, là. Il y a quelque chose. Aidez-les, il y a une onction terrible. Oh. Acclame Dieu, ça sort là-bas aussi. Ces esprits ont peur. Qui vient de réaliser que Dieu est tout puissant encore là? Oh Dieu, la puissance de la résurrection libère les gens de la drogue ici. La puissance de la résurrection libère les gens de la sorcellerie ici. Jesus. On n'a pas besoin d'imposer les mains tout le temps. La puissance de la parole. Je veux dire à quelqu'un, ton père est libre. Dès maintenant, il est libre, il est libéré. Je veux dire à quelqu'un qui a été maudit par des pasteurs, cette malédiction est brisée ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à l'église du Gabon, il y a une bonne nouvelle pour vous. Dieu dit, sanctifiez-vous. Craignez mon nom, car ma gloire arrive. Ma gloire arrive. Dieu dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux et celles qui ne me servent pas. Dieu dit, je veux justifier mon peuple. Mes brebis se sont dispersées. Mes brebis sont devenues les proies de tous les animaux sauvages. Mais je descends libérer mon peuple. Dieu dit, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. La puissance de la résurrection. Les œuvres de Satan. Les maladies incurables. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Oh, les ossements desséchés. Écoutez la parole prophétique de Dieu. Il est descendu libérer les captifs. Il est descendu libérer les captifs. Tu n'as pas été créé pour être dominé. Tu
tu as été créé pour régner. Tu as été créé pour commander. Tu as été créé pour donner des ordres. Tu as été créé pour commander. Oh! La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu sur toi, mon frère. Cette maladie sort de la sorcellerie, te quitte maintenant. Ce démon te quitte maintenant. Ce démon te quitte maintenant. Tu vas lâcher cet homme au nom de Yeshua. Tu t'en vas maintenant. Je veux que tu sortes. Quitte-le. Oh. Oh. Il se passe des choses ici. Le Fils de Dieu. Il est venu libérer tous les fils de Dieu. Il est venu libérer toutes les filles de Dieu. Tu es une bénédiction, toi chrétien, pour ta famille. Dieu dit, tu es une bénédiction, ma fille. Voici ma main sur toi. Maintenant, la puissance de Dieu vient sur toi. Oh, il y a une onction particulière ce soir. Il y a quelque chose de particulier sur toi, 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 sur toi. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu sur toi, frère. Voici la puissance de Dieu sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Acclame Dieu encore. Oh, Gabon. Oh. Regarde-moi ça, là. Regarde-moi ça. Là. Regarde-moi ça. Là. Ton médecin a diagnostiqué un cancer malin. C'est un esprit qui est là, un esprit qui a été affecté, un esprit qui a été envoyé. Il y a eu une réunion des sorciers de ta famille. Ils ont dépêché ce démon pour te frapper de ce cancer. Maintenant, ce soir, jeune fille, voici ta guérison. On acclame Dieu, on acclame Dieu. On acclame Dieu. On acclame Dieu. Tiens, ton voisin, Jésus est là. Jésus est là. Jésus règne. Il règne. Oh, oh. Tiens, ton voisin, Satan t'a trompé. Il a été vaincu. Il a été vaincu. Il a été vaincu. Sa tête a été écrasée sur le mont Golgotha. Jésus, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Il y a un démon qui me supplie de lâcher cette femme. Qui me supplie de le laisser dans cette maison. Non, 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 non. Je ne veux pas te laisser là-dedans. Sors. 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 Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus. 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 Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. C'est le nom de Jésus, Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Le nom qui sauve. Là, 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 là. Il y a un corbillard ici. Il y a un corbillard ici. On a pris le nom de cette femme. On l'a écrit sur le registre de la mort. Il y a un corbillard ici. Et on veut te tuer d'ici la fin du mois de septembre. Dieu dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu vient, il pose sa main sur toi. Il pose sa main sur toi. Il te sort de la mort. Il te sort de la mort. La puissance de la mort est brisée. Les chaînes de la mort sont brisées. Enfin, ce soir, Dieu vient t'apporter la vie. Il vient t'apporter la vie. La mort s'en va. La mort s'en va. La mort s'en va. La mort s'en va. Jésus. Fini. C'est le cauchemar avec la mort. Fini. Fini. Jésus.
Amène-la-moi là-bas. On acclame encore le Seigneur de gloire. Le plus beau nom, c'est le Jesus. Nom de Jésus. Jésus. Là, 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 Dieu te libère. Oh. Jésus. Là, 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 femme, voici ta délivrance. Jésus. C'est un esprit. C'est un esprit, c'est un esprit de la forêt. C'est un esprit de la forêt qui vient de ton village. Dieu vient et te rend libre, te rend libre, te rend libre. Démon, allez, sors, 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 sors. Au nom de Jésus, sors, sors. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh! Magnifique, magnifique. Oh, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Il est magnifique. Posez-moi la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bien entendu encore. Les anges du ciel sont en train de contraindre les démons à venir déposer toutes les maladies qui frappent quelques personnes ici. Je vois des démons qui viennent, qui déposent des maladies et qui fuient. Nous serons sauvés. Oh! Aucun autre nom. Oh! Sors définitivement là. Au nom de Yeshua. Lâche. Par le cœur. Sors. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame. Nous serons sauvés. Magnifique. Aucun autre nom. Qui est Seigneur? Qui est le roi? Donné oh Jésus. Par oh le Jésus. Écoute, 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 écoute. Mon Dieu. Mon Dieu. L'âme. L'âme d'une personne ici est en prison. Il n'y a que son corps qui se balade. On a emprisonné son âme. On acclame Dieu. Amène-la-moi. 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 Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Oh! Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Voyez ça. La cage est brisée. À genoux. À genoux. Lâchez-la maintenant. La puissance est là. Le démon ne peut rien faire. Voilà. À genoux. À genoux, notre Jésus de Nazareth. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Jésus. Oh. Dis à ton voisin, la Bible est réelle. Les Écritures sont vraies. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Il y a un démon qui me dit, Chora, si je sors, je vais aller où? Dans les lieux arides, point de repos. Il est là, il va sortir là. Il va courir jusqu'ici. Là. La puissance de la parole. La puissance de la parole. C'est un démon de peur qui paralyse cette personne. Qui ne peut rien faire, qui a tout le temps peur, qui est paralysé, la puissance de Dieu vient sur toi pour te rendre complètement libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ici, laissez cette personne venir. Il y a quelques démons comme ça de peur ici, là. Il y a un deuxième démon de peur. Ici, démon! Je vous donne des ordres. Je dis, venez ici. Au nom de Jésus-Christ
de Nazareth. Voilà. Le jeune homme là, on acclame le Seigneur. Voilà. À genoux. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres de ténèbres. Dieu fait ces choses ce soir pour montrer aux chrétiens que vous n'avez pas à avoir peur de Satan. Vous n'avez pas à avoir peur des démons. Vous n'avez pas à avoir peur de la nuit. Vous n'avez pas à avoir peur de la mort. Notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth règne. Vous pouvez même ramener vos gris-gris. Ils ne pourront pas vous tuer. Ça fait plusieurs années que je sers le Seigneur et les démons ne peuvent pas nous atteindre tant que nous marcherons dans la crainte de Dieu. Là-bas, ça sort. Au fond, là-bas. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. Jesus. Oh. Un démon ici a été dépêché pour bloquer les menstrues d'une femme. Pour bloquer tes menstrues. Il a utilisé une espèce de colle mystique. Je m'adresse à toi, démon. Viens ici. Au nom de Jésus. Acclame Dieu. 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 Ici, démon. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Jesus. Oh. Qui réalise que les démons n'était pas si puissant que ça. Hein? Nous avons notre grand frère. Dis à ton voisin, j'ai un grand frère. Il est mon grand frère. Il est mon chéri. Il est mon bien-aimé. Il est mon créateur. Il est mon Dieu. Il est mon Père, il est mon Sauveur, mon Seigneur, mon Protecteur, mon Rocher, ma Forteresse, mon Salut. Son nom c'est Jésus. Oh, il y a un démon de diabète. On t'a piqué avec une seringue. Le diabète est venu. J'appelle ce démon ici. Je le convoque ici. Tu viens avec le diabète en question. Tu vas sortir de ce corps et cette personne n'aura plus cette maladie à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une convocation. À partir de maintenant, ton diabète disparaît. À partir d'aujourd'hui, ton diabète sèche. À partir d'aujourd'hui, ton diabète s'en va. Je m'adresse à toi, esprit de diabète. Je te donne un ordre. Maintenant, sors d'elle. Quitte-la, 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 quitte-la au nom de Jésus. Quitte-la, quitte-la, quitte-la. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh Jésus, qui veut aimer encore Jésus? Est-ce que moi je peux chasser les démons? Est-ce que moi je peux guérir? Est-ce que moi je peux sauver? Qui peut sauver? Qui peut libérer? Qui peut restaurer? Qui peut délivrer les gens? Oh Jésus. J'ordonne à ces esprits qui t'embêtent
Oh Jesus. Oh Jesus. Sortir maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Allez, quitte. Quitte là. Quittez là. Ah, quittez là. Au nom de Jésus. Allez, sortez. Oui, sortez de son corps. Voilà. Paralysie. Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, sortez d'elle. Voilà, comme ça là. Comme ça là. Oh Jesus. Il y a quelque chose ici. Hein. Il y a quelque chose ici. La paralysie. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de. Au nom de. Jesus. Jesus. Bouge tes jambes. Là, là, bouge tes jambes là. Au nom de Yeshua. Bouge-les au nom de Jésus de Nazareth. Et l'onction ici là. Jesus Christ. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Jesus. Oh, ça sort. Mm-hmm. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Elle vomit ce démon là. Ça sort. Vous voyez ça? Ça sort. Ça sort. La paralysie. Ça sort. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Ça sort. Jesus. Voilà. Bouge tes jambes. Bouge tes jambes. Bouge tes jambes. Bouge tes jambes. Ça sort, ça sort encore, ça sort encore, ça sort encore. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Vous voyez ça, comment les gens souffrent? Vous voyez comment les gens sont malades? Et l'Église a reçu la puissance pour libérer les captifs. Tu peux maintenant marcher au nom de Yeshua. Alléluia, Jesus Christ. La puissance de Dieu. Oui, tu peux marcher au nom de Yeshua. Alléluia, Jesus. Oh, elle vomit encore, hein? Elle vomit encore, ça sort encore. Oh, Jesus, Jesus. Vous là-bas derrière, ça va? Vous êtes là? Vous êtes là? Levez vos mains, vous qui êtes au fond là-bas. L'onction du Saint-Esprit vient sur tous ceux qui ont l'appel prophétique. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les prophétesses, les prophètes, aidez-les. Voici l'onction du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont l'appel pour chasser les démons, comme moi, voici l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, aidez-les. Les guerriers, les guerrières. Les messagers, les messagères. Jesus. Les jeunes prophètes. Dieu vous envoie dans les nations. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est magnifique. 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 Les malédictions familiales sont brisées. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. La puissance de la résurrection sur toi, jeune fille, jeune femme, au nom de Jésus de Nazareth, est là sur toi. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. La voici sur toi, et là, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Oh, oh, Jesus. Oh, touche là où tu avais mal, touche là où tu avais mal. Ta maladie s'en va là, maintenant, là, ta douleur. Toutes les personnes qui ne pouvaient pas se lever pour marcher normalement. Touchez là où vous avez mal là, touchez, 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 touchez. Colonne vertébrale, Dieu guérit ici au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Yeshua, jeune fille, voici ton miracle au nom de Yeshua. Jesus Christ. Jesus.
touche là où tu as eu mal. Touche. Il y a plusieurs personnes que Dieu vient de guérir de sida ici. Dieu m'a dit ça. Du VIH. Plusieurs personnes ici. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Il y a plusieurs personnes que Dieu veut te libérer du péché ici. Acclame Dieu. Des gens qui ont pris des décisions pour changer. Pour ne plus être les esclaves de Satan, du péché. C'est fini le péché. Vous ne serez plus les esclaves des hommes. Les esclaves des pasteurs. Ça, ce sont les œuvres de Satan. Les démons que tu as brisés. Vous êtes les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Dieu aime le Gabon. Dieu aime le Gabon. Dieu aime le Gabon. Dieu bénit ta famille, bénit ta vie. Dieu te donne la santé. Il reste dans ta santé. Il me dit, dis-lui, je la guéris. Dieu te guérit. Il te guérit, maman. Il te guérit. Il a entendu tes pleurs. Il a entendu tes pleurs. Cette maladie disparaît aujourd'hui, maman. Il y a une guérison miraculeuse. Ton médecin sera étonné. Ton médecin sera étonné. Au nom de Jésus, maladie sort. Acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est fini. Il te donne un cœur nouveau. Il te donne des organes nouveaux. Jesus. Je t'aime mon enfant. Je t'aime ma fille. Je guéris tes pieds, tes jambes. Je guéris ton corps, ton dos. Je guéris ta vie. Jesus. Jesus. Oh. Oh, Dieu aime le Gabon. Dieu aime le Gabon. Oh Dieu. Oh Dieu. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, levez-vous marcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Levez-vous. Ceux qui ne pouvaient pas marcher normalement, levez-vous, commencez à marcher. Au nom de Yeshua. Voilà. Jesus Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Regarde comment cet esprit me regarde. Regarde comment. Levez-vous, laissez vos béquilles. Venez au nom de Jésus. Regarde-moi ce démon comment il a peur. Regarde-moi comment cet esprit a peur. À genoux au nom de Jésus. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Regardez ces personnes qui ne peuvent pas marcher normalement. Dieu vient de guérir leurs jambes. De guérir leurs jambes. Au nom de Jésus. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu, donne-moi sa béquille. Acclame Dieu. Viens. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. La maladie du ventre là, tout ça là. Ton corps, Dieu sanctifie. Acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame-le, 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 acclame-le. Alléluia. 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 Alléluia.